On fait le papier avec ce premier événement du week-end, le prix Michel Toury, une épreuve de vitesse sur les 2100 mètres de Vincennes. Une base solide, c'est la candidature de Gaspard de Brion. Cet élève de Mathieu Abrivard vient de refaire parler de lui en s'imposant pieds nus dans cette configuration et sur ce parcours. Il compte deux succès, dont un quintet à pareille époque et une place en trois tentatives. Giant Chief, il ne faut pas le condamner trop hâtivement et ne pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie. Sa rentrée était un tout autre calibre. En première ligne ce samedi, on parie que ça va aller. Always EK, avec deux victoires à son crédit sur ce parcours, ce deuxième atout de Fabrice Soulois a joué de malchance la dernière fois. On le rachète donc. Playa Kaluma, le 7, toutes ses sorties sont bonnes cet automne dans la course de référence sur ce parcours. Troisième à l'arrivée, elle a hérité du premier accessite, sa place est encore là. Giboulette de Mars, le 15, véritable métronome, elle enchaîne les podiums dans ce meeting et compte 3 succès depuis septembre. Lauréate de la course de référence, elle a les moyens de poursuivre dans cette voie. Enfin, Oracle Tillet, fraîchement arrivé dans les box de Thierry du Val d'Estaing, 6e du prix du Bourbonnais, il court rapproché, mais ne manque pas de moyens. 11, 6, 5, 7, 15 et 12, cette sélection en 6 chevaux vous en coûtera 12 euros. Retrouvez mon pain de pied, mais aussi les statistiques, les interviews, les analyses et toutes les infos utiles sur ce quintet en particulier en consultant le site equidia.fr.